Jesus. Salut les amis, c'est Améthyste et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation pour changer parce que voilà, ça fait un moment que j'en avais pas fait et j'avais bien envie là sur ce jeu. Feast of Jesus, donc un jeu indépendant qui est basé sur le court-métrage du même nom. Les deux étant très what the fuck et ça me fait vraiment bien marrer. Il a été développé par Mutant Games et édité par KISS et il est sorti en octobre 2014 en démat sur PC et sur mobile, à la fois iOS et Android. Faut savoir, graphiquement, comme vous pouvez le voir là, ne serait-ce qu'avec la map, il a été beaucoup plus développé dans une optique de jeu mobile que de jeu PC. Alors moi je l'ai sur PC, j'ai été obligée de configurer la manette parce que la configuration de base était un peu merdique. Et puis l'autre truc à savoir c'est que sur PC il est payant et sur mobile il est gratuit. Donc voilà, ça peut décider certains à préférer une plateforme plutôt qu'une autre. Donc je vais vous remontrer depuis le début un petit peu pour expliquer. Grosso modo, le scénar du jeu, c'est voilà, Jésus et Judas qui se battent contre des zombies. Hein. On sent le niveau. Hein. Donc on a des missions comme ça, divisées par du coup chapitres et épisodes, avec un objectif. Là, je peux pas sélectionner une arme parce que c'est les premiers niveaux et du coup on n'a pas ce choix d'arme. Mais voilà. Donc un petit texte, voilà, pour expliquer que les zombies sont là à cause de Lazarus et qu'il faut qu'on se batte. Et ça t'explique, voilà, ça explique les contrôles. Bon, moi perso, ça m'a pas spécialement aidé hein, avec la manette. Donc, j'ai configuré de manière, bon, taper c'est A, c'était déjà comme ça, je crois. Donc c'est joli, hein, c'est mignon. En fait, j'aime bien parce que c'est mignon tout en étant un peu dégueulasse. C'est donc un beat'em all, comme vous l'aurez remarqué, en 2D, dans une arène fermée. Voilà, j'ai envie de dire un truc qui colle bien avec, avec l'optique de jeu mobile. Donc voilà, premier niveau fait. Alors, j'explique autre chose. Comme vous voyez, il y a une barre d'XP. Donc voilà, moi je suis niveau 11. Et là vous allez me dire, mais ça sert à quoi ta barre d'XP et tout. Donc voilà, ça sert à ça. Il y a des éléments de RPG dans ce jeu qui rendent ça beaucoup plus fun. Quand on monte de niveau, on a un choix. Soit on prend quelque chose, un pouvoir par rapport à Jésus, soit par rapport à Judas. Donc là je peux rien choisir avant le niveau 12, donc ce serait bien que je monte de niveau pour vous montrer. Mais voilà, à chaque palier entre guillemets, on peut augmenter un petit peu la force du personnage, sa vie et d'autres pouvoirs que je compte bien vous montrer. Donc je vais quand même continuer à vous montrer les niveaux dans l'ordre. Pas pour que vous suiviez l'histoire ou quoi, parce que bon, comme je disais, il n'y a pas... voilà, on combat des zombies, hein, on essaye de survivre. Et on a... je vais vous montrer un peu... Ah bah tiens, voilà, il y a... Voilà. Ça c'est une arme, pour l'instant elle m'a pas été proposée en début, mais quand on tue un zombie avec une arme, on a possibilité du coup de récupérer l'arme en question. Mais on la récupère pas pour la totalité du niveau, c'est quelque chose de temporaire. Eh bah voilà, je viens de monter niveau 12. Donc voilà, j'ai un choix de récompense, soit je prends une réduction de dommages, et dans ce cas là c'est pour les deux persos, ou alors je prends l'attaque... l'attaque spéciale de qui. Et donc je vais le faire parce que ça va m'ouvrir un tutoriel. Ça va me proposer un tuto. Tac, voilà. Donc oui, je veux m'entraîner. Vas-y. Donc je dois tuer 40 ennemis et survivre. Et je ne sais pas comment faire mon attaque, c'est magnifique.
pour te protéger. Ah. Étant donné qu'il y a de la TNT, ça peut être utile. Ouh. D'accord. Et ben maintenant il va falloir que je cherche. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ça, ça ressemble beaucoup à. Ouh. Hop. C'est super pratique. Alors oui, les zombies là, c'est exprès. Ce type de zombie explose. C'est pour les biens de l'entraînement là. Et les petites coupes que je ramasse comme ça remplissent mon pouvoir. Comme j'ai dit, hein, c'est un entraînement. On va juste essayer de le compléter. Ok, c'est bon. Nickel. Bon voilà, on a à chaque fois qu'on a un nouveau pouvoir, on a un entraînement. Et là, je peux du coup augmenter certains trucs. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse gaffe parce que j'ai pas tant d'argent que ça. Peut-être augmenter ça. Merde, ça. Ça. Et ça. Voilà. Ok. Oh, il est tout content. Il est trop mignon. Donc, ouais, bon. Est-ce que je vous mets le niveau 3 ou est-ce que je vais un peu plus loin quand même? Je sais pas trop. Ouais, c'est elle. Donc voilà, là j'ai. Bon, là c'est marqué free, c'est parce que j'avais fait un niveau bonus et que du coup j'ai pas à payer pour mon arme. Mais normalement, chaque arme coûte un certain nombre de sous. Donc là je vais la prendre. Et je ne sais plus du tout comment on fait pour l'activer. Je vais lancer un poisson. Voilà, un poisson c'est avec les gâchettes. Enfin, moi je l'ai configuré pour que ce soit avec les gâchettes. Hop. Et je ne sais pas du tout. Ah voilà, j'ai réussi à sortir mon arme. Et ça m'a pas servi à grand chose. Ah si, c'est bon, je l'ai re-rentré. Alors peut-être que je suis pas sûre. Hein. J'ai pas énormément joué au jeu, mais peut-être que l'arme, quand on l'achète, on l'a pour autant de temps qu'on veut. Je vais jouer un peu avec Jésus, parce que je me remarque quand même que j'ai pas mal joué avec Judas et le pauvre Jésus, il se retrouve solitaire. Et classe aussi. Hein. Alors ils ont chacun leur type de pouvoir. Bah là, faudrait que je fasse un niveau un peu plus compliqué pour vous montrer. Donc tac, oui c'est bien, merci. Hop. Donc voilà, ça fait quand même du bien, ne serait-ce qu'un petit peu avant le boulot ou dans les transports, justement sur vos téléphones. Donc voilà, là il faut que je paye. C'est pas grave, j'ai pas besoin d'armes moi parce que j'ai le super pouvoir. Donc voilà, ça c'est un des pouvoirs de Jésus qui fait du coup une grosse explosion. Et le deuxième pouvoir que j'ai lui permet de faire du pain pour se soigner si jamais il a des problèmes. Judas, quant à lui, a un pouvoir que j'aime beaucoup, qu'il faudrait que je vous montre face à un groupe. Hop. J'ai dit face à un groupe. Il n'y en a pas assez là. Ça va pas être fun. Aïe! Ça, c'est le zombie rebelle. Ouais, je vous le montrerai dans un autre. Dans le prochain. Promis. La petite coupe que j'ai ramassée là, c'est un reliquaire. C'est des choses. Comment dire? Je vais vous montrer dans le menu là. Enfin, les reliques. Quand on a 3, on gagne un bonus. En gros, on peut les acheter, mais ça coûte beaucoup de pièces hein, par rapport à ce que je gagne en pièces, et donc c'est pas vaut mieux attendre tranquillement de choper
les reliques quand on les chope, voilà, hein. Super logique. Bon allez, je vous montre. Youhou! Viens là, toi. Toi aussi. Hop. Ouh, commence à y en avoir beaucoup. Allez, hop. Et voilà. Un petit Kamehameha. Moi, j'aime bien. Son autre pouvoir, c'est pareil, il a beaucoup de pouvoirs agressifs. Son autre pouvoir, c'est... Voilà, de faire tomber... Des putains d'étoiles. Non mais attends, mais laisse-moi tranquille là, j'explique des trucs. Tiens, toi un coup d'espadon là. Alors ça a l'air facile comme ça, mais faut savoir que je refais les premiers niveaux là en étant niveau 12, donc c'est sûr qu'il y a moins de difficultés que si là je vais faire le niveau... Mais arrêtez. Bon attends, hop. Voilà. Tiens. J'aime beaucoup la chaîne. Je la trouve classe. Merde, je l'ai plus. Hop. Tiens, prends-toi un poisson dans la gueule. Bon. Alors, je vais peut-être avancer un peu plus loin. Tiens, j'en profite pour acheter des... Hop. Hein, tant qu'à faire. Bon, ça va assez vite en fait, donc je vais continuer comme ça. Le but, c'est de finir tous les niveaux, j'ai envie de dire. Alors, elle, faut surtout, voilà, faire attention, la buter comme ça. Tiens. Ouh, merde. J'ai pas fait gaffe. Alors des fois quand il y a beaucoup de zombies comme ça qui arrivent et tout, on oublie un peu le côté stratégique et ce qui vaut mieux éviter et tout. C'est pas évident. Mais c'est un bon défouloir. Franchement, c'est un bon défouloir. Moi, ça me fait du bien. Quand tu passes une mauvaise journée comme ça. Imagine ton pire ennemi à la place de ce zombie de merde. Ouh. Voilà. On va prendre Judas. Tiens. Hop. Je sais pas comment il a l'air effrayé à chaque fois qu'il tape, Judas. Il est trop mignon. Tu te demandes comment il s'est retrouvé dans cette histoire. Mais... Empêche, je vois pas souvent des zombies se battre avec des armes. Mais t'oublies Resident Evil. Ouais, mais ils sont un peu spéciaux dans Resident Evil. Ok, me battre avec un pied. Tiens. Aïe. Bon voilà, le but c'est aussi de faire des bons scores, si possible en faisant des combos. Moi je m'en fous un petit peu, j'avoue que c'est pas vraiment ce que je recherche dans le jeu. Mais voilà, si on a envie de se donner un petit challenge, essayer de faire un des meilleurs scores possibles. C'est possible. Bon, j'aimerais vous montrer la fin du chapitre là. Oh, j'ai fait que 2 étoiles. Bouh.
J'ai pas énormément de trucs à vous dire non plus sur le jeu, hein. C'est pour ça que je pense que c'est plus un... C'est plus une présentation qui va finir dans les petites présentations que dans les grosses. Je sais pas, ça va dépendre de la durée. Voilà, donc là on arrive à la fin du chapitre ou d'épisode. Bref. Donc avec un boss. Ouh. Bon. Oh merde. Oh mais non. Espèce de gros teubé quoi. Aïe. Mais aïe. Non merci, je ne suis pas... Putain. Ah oui, j'ai cru que ça allait pas le frapper quoi. Lâche-moi. Au secours. Tiens. Prends-toi. Voilà. Donc comme je l'ai dit, bon, j'ai un niveau qui est... plus élevé que ce que je devrais être en faisant ce niveau la première fois, donc c'est pour ça que je l'ai battu assez facilement. Donc bon, vous pouvez faire les premiers niveaux autant que vous voulez, au moins ça vous fait des sous et après je peux vous montrer un peu, voilà, je vais sauter les quelques niveaux qui sont là, ou alors attendez, je vais vous montrer un peu le niveau bonus, ça me coûte 10 pièces. Niveau bonus, voilà, pour gagner un petit quelque chose. Ça c'est simple. Voilà, tirer au bon moment. Ouais, tu n'as pas mon niveau. Tac. Et voilà. Donc, bon, bah voilà, j'ai gagné 100 pièces. C'était là que j'avais gagné le fait d'avoir les armes. Une arme gratuite. Bon, alors, je vais vous montrer vite fait. Bon, voilà, là, ça commence à coûter les objets. Hein. Donc, je vais m'en passer. Je risque de me faire allumer, mais c'est pas grave. Alors eux, je les aime pas. Oh putain. Mais non, mais... Voilà. Commence à y en avoir beaucoup et ceux avec les boucliers là, on peut les toucher que de dos. Ouais. C'est pour ça que là, le pouvoir de Judas de faire un peu des dégâts de masse est pas mal utile. Oh merde. Ah. Aïe. Alors là, ce que vous voyez, ce genre de truc, c'est quand j'arrive à faire un... à taper au bon moment quand l'ennemi est... Hop. Ça dans ton cul. Mais non, mais il y a trop de mecs à bouclier là. Rentrez chez vous. Aïe. Bon, j'ai survécu. Ah. C'est pas nécessairement battre tous les zombies, hein. La survie est importante. Alors, augmente les dommages infligés au boss ou 3 holisters. Bah écoute, on augmente les dégâts infligés au boss quoi. On va pas se priver non plus. Donc voilà. Bon, je vais peut-être vous montrer encore un. Et après on s'arrête. C'est vraiment juste histoire de vous montrer un petit peu. Puis comme de toute façon le jeu est gratuit, si vous êtes curieux, vous pouvez toujours le télécharger et voir si ça vous plaît, et puis si ça vous plaît pas, vous le désinstallez. Hein. Ouh, tu es 10 mini-boss. Gentille poule. Pff, ça va être galère. Ouais, bon, en plus, je vais pas me priver. Hein. Aïe! Oh, putain, il fait mal en plus. Mais non, mais pourquoi je me suis jeté sur... Non, reste chez toi. Voilà, je t'aime pas. Laisse-moi.
Et là, je me dis, mais j'en ai battu qu'un. Aïe. Tiens, tiens, tiens. Voilà, ça c'est bien. Fatalité. Oh putain. Non mais... Bon, attends. On va... hop. Mais non. Entre les deux, quoi. Bon ben, tant qu'à faire. Aïe. Aïe. Oh là là. Ça va qu'ils sont lents dans leurs attaques, quoi, en fait. Faut pas que je me précipite. Tiens, merde. Tiens, prends-toi ce poisson dans ta gueule. Ah! Voilà. Bon, 5, c'est bien déjà 5. Voilà, j'ai un bouclier, alors... Non, on va quand même faire gaffe. Hop. Je sens que le dernier va être balèze. Attends, hop. Judas, s'il te plaît. C'est vrai que j'avais oublié, mais il a ce pouvoir-là, lui. Autant en profiter. Oh là là, comment il les a explosés. Ok, mon préféré c'est Judas. Voilà. Bon, j'ai fait un score de merde. Ok, ça va, j'ai compris. Donc, et ben voilà. Putain, ils aiment bien se foutre de ma gueule. Voilà, voilà. C'était pour vous présenter rapidement ce jeu. Donc dites-moi ce que vous en pensez, puis si vous avez l'occasion de le tester, voilà, si ça vous plaît ou pas. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, sinon si vous n'aimez pas parler, ça arrive, je compatis. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine, bye bye.